Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui j'ai encore envie qu'on parle d'un sujet qui va forcément interpeller ta conscience. J'étais un peu sur les réseaux sociaux en train de faire des recherches pour voir quelles étaient les vidéos qui étaient un peu en vogue et tout. Quand je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment cassé le moral, j'étais un peu choqué de voir cela. Et pour être sincère avec toi, je pense que tu ne comprendras jamais de quoi je veux parler si tu ne regardes pas la vidéo en elle-même en fait. Regarde la vidéo en question. Un singe qui se décide d'apporter une aide à une dame, aveugle de surcroît. Regardez bien dans l'entourage, il y avait des humains. Même le propriétaire du singe n'a même pas daigné aider la dame à pouvoir traverser. Ils savent tous que la circulation était dense et que si la dame veut vraiment se fier à son instinct, elle passerait vraiment toute la journée là-bas. Mais personne n'a daigné venir lui donner un coup de main pour l'aider à traverser la route. Et le fait que ce soit un singe parmi les humains qui vient apporter de l'aide à cette dame veut tout dire sur notre société actuelle. Nous sommes dans un monde où j'ai l'impression qu'on est en train de jouer un jeu de chaises, où les hommes deviennent des animaux et les animaux deviennent des hommes, tu vois. C'est-à-dire que les animaux maintenant aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont plus humains que les humains eux-mêmes. Et vu la vitesse à laquelle les choses vont, si on ne change pas de comportement, si on ne change pas notre manière d'agir, on risque d'être encore plus animaux que les animaux eux-mêmes. Nous sommes dans un monde de compétition dans lequel tous les moyens sont bons pour pouvoir réprimer les autres. Ou, peu importe les moyens, peu importe les procédés, pourvu juste que l'autre ne puisse pas sortir la tête de l'eau et qu'on soit le seul au fait. C'est quasiment le problème dans lequel nous sommes. Et quand on voit également des gens qui ont vraiment besoin d'aide, des gens qui ont besoin de notre assistance tant physique, tant mentale, bien, tant psychologique, on n'est pas là parce qu'on se dit qu'on est en compétition avec tout le monde. Je pense qu'il est temps qu'on puisse vraiment revoir la vie aujourd'hui. Il est temps qu'on puisse revoir notre vie, qu'on puisse un peu revoir notre manière d'agir vis-à-vis des autres. Parce que si on continue à cette vitesse, je ne sais même pas où est-ce qu'on va. J'ai juste cette certitude. On va droit dans le mur. Et notre nature humaine ne deviendra juste qu'une vie d'animosité au fait. Et il y aura juste un seul perdant. Nous. Parce que, at the end of the day, le jour qu'on mourra, que tu sois riche, pauvre, grand, petit, croyant, athée, whatever, il n'y aura pas de différence entre nous. Je pense qu'il est temps qu'on puisse vraiment revenir à de meilleurs sentiments, qu'on puisse reconsidérer l'être humain à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, les animaux valent mieux que nous. Alors, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Laisse-moi des pouces bleus, des commentaires. C'est fabuleux, c'est un tome, tu sais. Bang.